Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'Indie Mag, l'hebdo. Cette semaine, je vous ai sélectionné un peu plus d'une quinzaine de sorties qui sont arrivées. Et on commence avec Verne, The Shape of Fantasy, un point and click prenant place dans un monde déchiré par la guerre. On va y commander le célèbre Jules Verne, embarqué malgré lui dans un voyage l'amenant au cœur d'Atlantis. De là, équipé de gadgets pour le moins futuristes, il va devoir déjouer les plans d'un adversaire chassant la flamme d'Héphaïstos. L'aventure va alors nous proposer une intrigue comptant de nombreux dialogues, mais aussi de l'exploration, des phases de plateforme ainsi que des puzzles. Le tout sera rythmé par un étrange dispositif permettant d'agir sur l'espace-temps. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 14,99€. Moving Out est de retour avec un deuxième épisode qui nous propose cette fois un mode en ligne. Ce jeu jouable en solo mais pensé davantage pour du multi propose de déménager une variété de lieux aux commandes de son personnage. On va alors devoir atteindre chacun des objets de taille variée pour les transporter jusqu'à un camion. Mais de nombreuses contraintes seront à prendre en compte entre les environnements remplis de dangers, les objets à transporter qui pourront nécessiter d'être plusieurs pour les déplacer, ou encore des architectures ne facilitant pas les déplacements. En local comme en ligne, c'est une nouvelle aventure que l'on pourra parcourir avec de nouveaux mondes interdimensionnels chaotiques. Le jeu dispose également d'un mode assisté ainsi que d'options d'accessibilité. Il est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 29,99€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Hammerwatch 2, le jeu d'aventure qui est jouable seul comme en coopération en ligne, jusqu'à 4 en simultané. Dans le jeu, on aura pour objectif de ramener l'ordre dans le royaume d'Erian par la force et l'entraide. Le jeu est un hommage aux action RPG à l'ancienne et nous propose 5 classes de personnages comme le paladin, le rôdeur, le roublard, le mage ou le sorcier qui seront personnalisables au niveau de l'apparence mais aussi de leurs compétences. Le jeu est un monde ouvert aux quêtes variées, principales comme secondaires. Il est disponible sur Windows pour 24,99€ et arrivera plus tard sur console. Cette semaine, c'était l'arrivée en 1.0 de Cantata, un jeu de stratégie case par case qui se déroule dans un monde opposant 3 factions parmi les aliens, les humains et les machines. On pourra y incarner l'un des 3 généraux de chaque faction avec lequel diriger ses unités pour explorer la planète, se créer une base puis lever une armée pour assurer sa suprématie. Une des originalités du jeu est de proposer un système de chaîne de production dans lequel chacun des bâtiments aura son rôle à jouer et dont la perte pourra paralyser l'ensemble de son réseau. Si chacune des factions aura ses propres unités et bâtiments, la planète viendra aussi participer à la bataille, puisqu'à chacun des tours joués, elle fera également le nécessaire pour se débarrasser de la guerre à sa surface, au travers de changements de météo, de sa faune, ou encore par l'intermédiaire d'autres événements mystérieux. Le jeu dispose de 9 campagnes solo, soit une par officier, d'un mode multijoueur local et en ligne, et d'un éditeur de cartes. Il est disponible sur Windows pour 19,99€. Autre 1.0, c'est celle de Black Skylands, un jeu d'aventure 2D en vue de dessus dans lequel on va devoir venger la destruction de son village par des pirates. On tentera alors de le reconstruire en allant explorer les îles volantes et remplir toute une variété de missions qui permettront de récupérer les ressources qui seront nécessaires ou encore de libérer des membres du village importants. Le gameplay se partagera alors entre des phases de shooter sur les îles avec toute une variété d'armes et des phases aux commandes de son vaisseau volant permettant d'atteindre différentes destinations. Mais en cours de route, on devra se battre tant contre les pirates que contre des créatures dont une invasion générale semble se préparer dans les abysses. Pour faire face au danger, on pourra personnaliser les pièces équipées de son vaisseau, rebâtir son village pour libérer de nouvelles évolutions, ou encore capturer des territoires pour gagner en influence, tandis qu'on forgera des alliances pour devenir une véritable forteresse. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,50€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos, et de temps en temps, je fais un petit peu de let's play ou de découverte de jeux plus anciens. Arrivé en accès anticipé, on a eu cette semaine Dissynct, un jeu d'automatisation dont la particularité est de ne pas posséder de tapis. On va y incarner un personnage qui va se retrouver obligé d'envoyer des robots sur une planète afin de pouvoir réparer son véhicule endommagé. Mais pour y parvenir, il sera nécessaire de créer toute une base automatisée et de mettre en place un réseau logistique dans lequel des robots vont s'occuper de transporter des ressources. On devra alors gérer la production et le stockage d'énergie tout en paramétrant correctement les machines travaillant. On pourra en effet les équiper d'outils adaptés à leurs objectifs et même programmer le comportement avec un éditeur drag and drop pour façonner les unités.
En parallèle, la recherche technologique permettra d'obtenir de nouvelles possibilités, tant du côté des unités que des structures. Le jeu intègre également du multi en ligne, en coopération comme en opposition. Le jeu est donc disponible en accès anticipé sur Windows pour 28,99€. The Cosmic Wheel Sisterhood est le nouveau jeu des créateurs de The Red String Club. Il s'agit d'une fiction interactive qui va nous faire incarner une cartomancienne condamnée à l'exil sur un astéroïde. Ayant conclu un pacte interdit avec une créature pour retrouver sa liberté, elle va reprendre contact avec des sorcières et utilisera des cartes de tarot que l'on créera pour explorer tant leur passé que leur avenir, ce qui mènera d'ailleurs à une intrigue politique liée au destin de la communauté cosmique des sorcières. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 17,49€. Je vous en parlais la semaine dernière et vous avez eu une vidéo il y a seulement quelques jours, En Garde est arrivé cette semaine. Il s'agit d'un jeu d'action inspiré des films de Cap et d'Épée qui va nous mettre aux commandes d'Adalia de Volador, dans lequel on va devoir affronter les gardes du comte Duc pour mettre un terme à ses manigances. Cette comédie nous propose notamment une série de combats à l'épée basée sur des contres et des esquives, ainsi que sur la gestion de son environnement. En effet, on pourra jouer avec celui-ci pour handicaper ses adversaires, comme leur jeter au visage un vase, leur pousser dessus une table, leur projeter une caisse quand on n'utilisera pas un seau pour les envoyer sur la tête et ainsi les aveugler. Le jeu alternera alors tant des affrontements en arène que lors de notre exploration du lieu comportant quelques phases de plateforme. Outre le mode scénario, le jeu dispose également d'un mode arène qui nous propose des combats dans une variété de lieux remplis d'ennemis qu'il faudra séparer pour tenter de les battre individuellement. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,99€. On continue avec Book of Hours, le nouveau jeu des créateurs de Sunless Sea, Fallen London et Cultist Simulator. Il s'agit d'un jeu narratif qui va nous faire gérer une bibliothèque occulte dans laquelle on va devoir rassembler la plus grande collection de grimoires d'arcane du monde. Au fil de plusieurs dizaines d'heures de contenu, on devra ainsi acquérir, restaurer et cataloguer des livres occultes, des parchemins et d'autres curiosités, tout en étudiant les 9 sagesses permettant de conquérir les 9 éléments de l'âme. On devra également guider les visiteurs dans leurs recherches tout en orientant leurs décisions ou encore explorer les histoires secrètes et le panthéon. Au fil du temps, on pourra alors restaurer l'édifice ayant été en partie détruit par un incendie qui a dévasté la collection initiale. 9 profils de personnages pourront être incarnés, du mania à l'archéologue, à moins de préférer des origines ésotériques comme le simurgiste. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 24,50€. Nouveau jeu des créateurs de Fortales, Unanku est un jeu d'action rogue dans la lignée d'un Vampire Survivors mais avec de nombreuses originalités. Le jeu se concentre notamment sur l'exploration de son environnement et la récolte de ressources qui permettront de se crafter des équipements et leurs améliorations progressives. L'élimination des ennemis ne sera alors nécessaire que pour survivre tandis qu'on parcourra des terres hantées. En cours de route, on pourra aussi affronter dans des arènes quelques monstres d'élite offrant des ressources rares nécessaires au craft de haut niveau. Ce sera alors une course contre la montre qui se jouera car au fil du temps, les vagues de monstres seront de plus en plus nombreuses et pourront rapidement handicaper la récolte de ressources. Le jeu dispose de nombreux éléments à débloquer allant des personnages aux outils et même des modes offrant des parties allant de 15 minutes à 1 heure. Il est disponible sur Windows en accès anticipé pour 4,99€. Une des grosses sorties de la semaine, c'est Gord, un jeu de stratégie qui propose autant de la gestion de colonies que des aventures en solo qui se déroulent dans un monde de fantasy. Le jeu nous propose ainsi des éléments de city builder dans lequel on va devoir dresser des palissades, développer ses bâtiments et transformer sa colonie en forteresse. Il faudra également faire face à des tribus ennemies et même à des monstres rôdant dans les environs. Des quêtes demanderont quant à elle de s'aventurer au-delà des murs de sa colonie pour empêcher un fléau de s'étendre ou pour régler des situations avec ses sujets entre quelques chasses de créatures légendaires. La santé de ses sujets aura également de l'importance, des maladies à la fin en passant par la santé mentale lors de la mort d'un prof. Il est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 34,99€. Autre arrivée en 1.0, c'est celle de Die After Sunset, un shooter à la troisième personne aux éléments de rock qui joue avec l'ombre et la lumière. L'objectif sera de terminer les 5 niveaux d'affilée en un temps limité. En effet, on va devoir utiliser ce dernier au mieux pour se renforcer suffisamment et être capable de faire face au boss qui finira par arriver. On devra alors réaliser autant de quêtes et de défis que possible, tout en faisant face à des monstres sensibles à la lumière, mais se renforçant dans l'obscurité. Durant son entraînement, on pourra trouver de nouvelles armes, des technologies et des capacités dans des coffres, offrant une plus grande survivabilité. Si chacune des parties sera unique à travers ses défis et ses coffres,
On pourra néanmoins profiter d'améliorations permanentes allant des statistiques aux nouveaux objets, capacités ou personnages jouables. Et le jeu dispose également d'une coopération en ligne. Il est disponible sur Windows, Switch, PS5 et Xbox Series pour 14,99€. Nouveau jeu du studio Mimimi ayant créé Shadows Tactics et Desperados 3, Shadow Gambit The Cursed Crew est un tactical orienté infiltration en temps réel dans l'univers des pirates. Aux commandes de pirates maudits, on va ainsi devoir affronter une inquisition qui consume les âmes de leur genre. On partira alors à la recherche de perles noires qui permettront de ramener à la vie un équipage de 8 membres, offrant chacun des capacités surnaturelles uniques. Depuis notre navire, on pourra notamment planifier nos excursions et en apprendre davantage sur chacun des membres lors de missions dédiées. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 39,99€. On continue avec le nouveau jeu dans l'univers de Hello Neighbor qui s'appelle Hello Engineer, un jeu de construction dans lequel on va devoir créer des véhicules qui pourront faire la course. On pourra notamment récupérer des pièces ou les fabriquer afin de créer une machine capable de faire face à d'étranges attractions et de faire face à son étrange voisin. Jouable jusqu'à 4 en ligne, le jeu nous propose de créer plusieurs panneaux de contrôle pour ces véhicules afin de se faire aider par des coéquipiers, à moins de travailler ensemble à créer les fameux véhicules. Le jeu nous permettra même d'échanger des plans afin d'améliorer nos mécanismes. Le jeu dispose également de mécaniques avancées qui permettront notamment d'utiliser des circuits électriques et des modules intelligents pour obtenir des véhicules autonomes. Deux modes pourront être joués, d'un côté le mode histoire, en solo ou à plusieurs, avec une série de défis à résoudre avec des machines, et un mode bac à sable levant toutes les restrictions pour créer la machine ultime. Il est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 14,79€. Allez, on arrive sur les trois derniers jeux. Le premier d'entre eux, un gros jeu, il s'agit de Bomb Rush Cyberpunk, un héritier spirituel de Jet Set Radio, dans lequel on va retrouver l'idée générale, à savoir un jeu de glisse dans lequel on va parcourir un Amsterdam futuriste pour graffer, tout en évitant les gangs rivaux ou la police. Parmi d'autres choses, le jeu ajoute notamment de la danse, des sons à collecter et quelques combos à réaliser à l'aide de techniques spéciales. Ce sont 5 secteurs de la ville qu'on pourra découvrir, dans lesquels trouver de nouveaux membres pour son groupe avec leur lot de collectables et de missions variées. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 38,99€ et arrivera le 1er septembre sur console PlayStation et Xbox. Suite du jeu de flipper Demon's Tilt, Xenotilt Hostile Pinball Action est un flipper psychédélique dans un univers cyberpunk avec des éclairages néons et de la musique rétro. On va y retrouver l'objectif d'accumulation de points se faisant en multipliant les passages sur des rampes et en détruisant les différents boss xénophages. Le jeu nous proposera notamment un plateau à 3 étages, un nouveau système d'éclairage, 9 bonus uniques et des tourelles automatiques. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 14,79€. Voidborne est un FPS aux éléments de rogue dans lequel on va incarner une entité créée par une diversité qui va devoir pourfendre des démons comme des demi-dieux corrompus. Lors de chacune des tentatives, on pourra compter sur une variété d'armes comme de mouvements pour traverser les environnements férocement gardés, incluant un dash, de la glissade, du wall jump ou de la course contre les murs. Que l'on reste sur la route principale ou que l'on trouve des routes alternatives, le défi restera présent et nécessitera de se créer un build pour espérer survivre. Mais en cas de mort, on pourra obtenir des améliorations permanentes pour revenir plus puissant que jamais grâce à de nouvelles compétences ou des renforcements de celles-ci. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 12,79€. Voilà qui conclut ma sélection de jeux indépendants de la semaine. J'espère que vous aurez trouvé quelques titres qui vous intéressent. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.